Fabio Celestini, défaite du Lausanne Sport aujourd'hui face au FC Sion. Comment est-ce que vous analysez cette rencontre? Nous, depuis le bord du terrain, on a vu un Lausanne réaliser une bonne première mi-temps. Après, ça s'est peut-être un peu gâté en deuxième. Oui, on a perdu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut voir pourquoi on perd, qu'on ne gagne pas depuis 12 matchs. Le contenu, maintenant, on sait qu'il est là pour la plupart du temps. On sait qu'on rivalise contre toutes les équipes. Ça, c'est bon, on le sait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner les matchs. Et pour gagner les matchs, il faut beaucoup d'ingrédients. Il faut ce qu'on met, nous, sur le terrain pendant quasiment une heure. On n'a pas fait un bon match, on a fait un très très bon match pendant une heure. Et après, quand il y a le match qui se définit, quand le match change un petit peu par une expulsion, par un but pour nous, un but pour les autres, là, il faut savoir gérer les moments. Il faut savoir gérer les instants des dernières demi-heures de match, où c'est que l'équipe adverse, si elle perd, elle va attaquer avec plus de monde. Et puis si elle gagne, peut-être qu'elle défendra avec plus de monde. Et là, il faut que le navire il ait un capitaine, voire des capitaines, qui font qu'effectivement, ils arrivent à gérer ces moments-là. Et aujourd'hui, effectivement, dans la dernière demi-heure, après l'expulsion, j'ai senti une équipe effectivement fébrile. Une équipe où c'est qu'avant, il n'y avait quasiment aucune erreur technique. Et là, il y en a eu vraiment trop, sans vraiment comprendre très bien pourquoi. Et on a senti qu'effectivement, le navire n'avait pas de capitaine. Le navire n'avait pas de capitaine. Et à 10 contre 11, l'obsession s'est créé beaucoup d'occasions. Et nous, on n'a pas su profiter même de peut-être la seule occasion qu'on a eue à la fin avec Kololi. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités, il faut sortir l'orgueil, il faut sortir des choses qu'on a dedans parce que on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait sur le terrain et à dominer nos adversaires comme on le fait et à perdre les matchs. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir les choses qui nous manquent peut-être, mais je ne demande pas qu'il n'y en ait que un ou deux qui le fassent, mais il faut que les 14 joueurs qui participent au match le mettent sur le terrain et que c'est dans les moments difficiles, c'est là où c'est que... On voit vraiment le groupe, c'est qu'on voit effectivement l'état d'esprit de l'équipe qui veut absolument revenir au score ou absolument marquer ou absolument garder le résultat. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous manque et ça ne nous manque pas depuis maintenant, il ne nous manque pas depuis la 10e journée, depuis 12 journées, il nous manque quasiment depuis tout le temps. Simplement, aujourd'hui, c'est plus suffisant parce que les équipes nous respectent. Les équipes savent que quand elles viennent à Lausanne, il va falloir qu'elles cravachent. Et la session encore aujourd'hui... Sur la première heure, je pense qu'elle peut dire merci qu'on n'ait pas marqué parce que je pense qu'on méritait largement d'être en avant sur la première heure de jeu. Merci Fabio.